souvenir constant de que la peinture et le dessin ont toujours fait partie de ma vie. Déjà enfant, je passais mes journées à dessiner. Alors évidemment, comme toutes les petites filles, j'essayais de reproduire certains motifs que je voyais dans mes livres. J'étais fascinée par les images, j'étais vraiment fascinée par les images. Et puis, plus tard, au lycée, nous avions des cours de dessin. Très modestement, je dois avouer que j'étais très brillante pendant les cours de dessin. Je faisais même les devoirs de mes amis. C'était assez anecdotique, assez amusant. Et mon professeur, M. Lacrifoul, m'avait dit « Je vous conseille de faire une école des beaux-arts ». J'avais effectivement, l'année de ma terminale, je m'étais inscrite aux beaux-arts à Paris et en médecine à Paris. Mais j'étais très jeune, j'ai eu mon bac très jeune, je n'avais pas encore 17 ans. Et donc ma famille m'a poussée à rester au Maroc. Donc j'ai fait ma médecine à Rabat, ma médecine générale. Et ensuite je suis partie à Lyon. Et donc je n'ai pas eu la chance de faire une école des beaux-arts. J'ai quand même essayé de rattraper ce désir que j'avais en faisant un court séjour à l'école des beaux-arts à Paris, sur la rue Bonaparte. Et j'ai trouvé ça fascinant. Mais malheureusement, ce sont des cours d'été pour des petites périodes. Et donc, je ne pouvais pas y adhérer tout le temps. Par ailleurs, comme j'avais un penchant très important pour le dessin et pour la peinture, j'ai eu la chance d'acheter beaucoup de livres, beaucoup d'encyclopédies. J'en ai d'ailleurs même dans ma bibliothèque ici, qui sont en permanence à côté de moi. Et très souvent, je regarde donc la vie des grands peintres, leur technique picturale. Déjà à l'esprit de reproduire certaines souffrances sur une toile, mais quelque part je me dis, lorsqu'on regarde un tableau, il faut qu'on éprouve une émotion, il faut qu'on éprouve une espèce de sérénité, et donc je ne trouve pas très agréable de décrire les déformations des gens, les déformations articulaires que j'observe, ou une autre image de la souffrance. Même si j'adore la peinture, je crois que c'est complémentaire. On va dire que la médecine répond à mon besoin d'être utile, alors que la peinture répond un petit peu à mon jardin secret, mes rêves, etc. Ce sont des choses qui me sont venues très spontanément. Cet ouvrage a été... Il est venu d'une idée, d'une pensée, mais le roman est venu à la suite d'un voyage. Donc, à mon retour de ce voyage, je me suis mise à écrire. Et puis, au début, je me disais, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Et puis, finalement, j'y ai pris un tel bonheur que voilà, les pages se sont succédées et le roman est presque fini.